Sup gamers, ici Ryan Rising. À côté de moi, j'ai Mams, notre cher Mams, qui lui, on le présente quasiment plus. Donc lui, il est dans Sen Games, il est le secrétaire général de Sen Games. Donc je vais le laisser le temps de se présenter déjà. Mams, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi, Ryan? Ça va bien, merci beaucoup. Donc tu vas te présenter aux téléspectateurs. Très bien. Tout d'abord, merci de m'avoir convié chez toi, Redel. Il n'y a pas de souci. Ravi de participer à ton émission, oh oui, qui est un franc succès sur les réseaux, on l'a vu. Yeah. Alors, pour me présenter, je m'appelle Soumaré Bamboudou, Mams pour les intimes, effectivement, Bochonde pour les loleurs. Voilà. Tu nous donnes ton pseudonyme League of Legends? C'est ça, exactement. Enfin, comme je l'ai dit, j'ai trouvé que les jeunes étaient déjà là, ils avaient déjà la communauté, il y avait les Medun, les Tamsir, les Omizuka, voilà, il y avait les Majei, Amadou, donc ils avaient déjà fondé la communauté. Ouais. Et je pense qu'elle existait déjà depuis 3-4 ans. Hein. Ça doit faire maintenant 3 ou 2 ans que je me suis un petit peu abandonné de League of. Effectivement. Et effectivement, comme League of Legends fait des mises à jour, des updates tout au fur et à mesure, temps, ouais. Là, j'avoue que je suis vraiment déconnecté. Vrai. Le jungle a changé, le bot lane, la top lane. Tu peux me préciser quel était ton main? Oh, c'est pas Timo, hein. Non, c'est Rengar. Rengar. C'est un gars que les Adekari ne peuvent pas trop apprécier, je pense. Oh, j'adore ce petit chat là. il est bien. Quels en sont les accomplissements? League of Legends SN, c'est une communauté qui est vraiment, vraiment très active. Ok. Faut aussi situer le contexte du jeu, parce que League of Legends, c'est le jeu, on va dire, en termes de e-sport, le plus actif dans le monde entier. Au Sénégal, ça s'est respecté aussi, parce que bon, notre communauté est super active. Ouais. D'ailleurs, on est la première communauté à avoir créé la première compétition online de League of Legends. Ah ouais, trop cool ça. On l'a appelé le SNLCS, en hommage au LCS. Qui est la compétition phare de League of Legends, nice, de la scène internationale. Elle existe depuis trois éditions, on va dire, pas sur trois années, sur deux ans. Okay. En deux ans, on a eu le temps de réaliser trois saisons. J'ai initié la première saison avec les gars comme Medun, mon grand frère Leloyo, c'est son pseudonyme League of Legends, voilà. Nice. Et puis les gens de la communauté qui nous ont beaucoup aidé là-dessus aussi. Okay. Alors, la première saison a été un franc succès. Ah ouais? Ça a bien marché, il y avait beaucoup de gens de la communauté. Ah ouais? Ensuite, ça a attiré beaucoup plus de monde sur la deuxième saison. Ah ouais? Voilà, il y a eu même des Français qui sont venus participer, qui sont venus partie intégrante. Voilà. Ah je ouais? Je fais une petite dédicace à Sayuri, Yves, Anthony et tous ces gens-là. Ah, super. Voilà, on a achevé la saison 3 qui a été pilotée par justement ces nouveaux arrivants dans cette communauté. Ah ouais? Oui, en principe Sayuri. Sayuri. Quand je vous dis que Sayuri c'est une fille et que c'est elle qui a organisé la saison 3 de League of Legends, ça veut dire que notre communauté elle est assez ouverte d'esprit, tu vois, par rapport à ce qu'il y a dans la communauté. On est précurseurs, hein. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Je ne m'y attendais pas. Tu connais bien la communauté du gaming au Sénégal, ah ouais. Il y a pas beaucoup de filles. Non, pas et du tout. Et voilà, et dire que c'est une fille aujourd'hui qui dirige le championnat de League of Legends, ça c'est vraiment super cool. Voilà. Super. Et là, on pense à la saison 4, quoi. Super. Qui va bientôt être lancée. Super. Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas Smite? Pourquoi pas, je sais pas moi, Overwatch? Il est bien Overwatch. Attends, mais vous avez choisi League of. Regarde, s'il te plaît, rewind un peu. Bon. Tu as parlé de Smite? Oui. J'ai parlé d'Overwatch aussi. Je pense que je n'ai plus. Pourquoi pas aussi ici. Dota? Non, mais. Quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, c'était, je pense, en 2015. Voilà. En 2015, je pense. Quand même, quoi. Et lui, quand même, ça 2014, fait longtemps qu'il a commencé. Fin 2014, début 2015, je pense. Et je jouais beaucoup à FIFA en ce moment-là. Ah, t'es beaucoup plus France, voilà. Jeu de foot ou League of? J'étais beaucoup plus jeu de foot et jeu, okay. Jeu de course. Burnout Paradise. Ah, oh, je jouais beaucoup à Burnout Paradise. Voilà. Je jouais beaucoup à FIFA en ce moment-là. Et ah, puis, ouais. Je jouais à plein d'autres jeux, on va dire, comme God of War. Ah ouais, super top. Que super j'adore, top. Tu vois. Ouais.
Donc voilà à peu près. Et puis les jeux de fight, hein, Dead or Alive, j'ai essayé ce jeu, c'est un de mes jeux de fight. Ah, il est un gamer, hein, mais c'est juste qu'il a choisi son League of quoi. C'est bon, je joue aussi à autre chose, hein. Je joue toujours à FIFA. Ah, ouais. Voilà. Ils se corrigent là. Quels sont les meilleurs joueurs de la communauté actuellement à League of? Bon, là je vais me faire des ennemis, mais je pense que pour éviter de me faire des ennemis, je vais citer en termes de classement actuel. Ok, ok. Je pense que le classement le plus haut qu'on a actuellement sur le jeu, c'est Diamant 4. Ok. Je pense. Ok. Faut savoir qu'il y a avant Diamant 4, avant Diamant, t'as Plati qui a 4 divisions, t'as Gold qui a 4 divisions, tu as Silver qui a 4 divisions, tu as Bronze qui a 4 divisions, et tu as Iron qui a 4 divisions. Autant. Parmi les meilleurs joueurs de la communauté, ceux qui sont au Diamant, on va dire qu'il y a le Elite que tout le monde connaît, Elite Fire, qui est classé, je pense, Diamant si je ne me trompe pas. Il faudrait que je vérifie si mes informations sont à jour. Voilà, tu as LF Style Point qui est vraiment super pas mal. Okay. Tu as Medun qui est super bon, même s'il ne joue pas beaucoup. Medun dont on a parlé. Tu as des gars comme Adou qui est bon, Blue Incarnation qui est Anthony qui est bon. T'as Alpha qui est vraiment le troll de la communauté, qui est pas mal aussi. Hein. Ouais. Du coup, tu as beaucoup de joueurs qui sont bons, mais pour moi, le meilleur joueur de la communauté reste un jeune qui vient d'avoir son bac, qui a 17-18 ans, il s'appelle XXL. N'en déplaise à certains, mais pour moi, XXL, c'est le meilleur joueur de la communauté. Super top. C'est dommage maintenant qu'il soit obligé de se focus sur ses études. Ok, à 100% super top. Pour ne pas avoir de temps de jeu. Quoi. Oh, je pense Le meilleur, c'est XXL. Voilà. Ok, super top. La dernière question que je voudrais poser à Mams, et je suis sûr que ce sont ces gars de la communauté League of Legends qui sont en train de lui envoyer des messages sur son téléphone portable. Maintenant, juste blague à part. Est-ce que c'est pas trop difficile de jouer à League of Legends ici au Sénégal avec la connexion internet, tout ça là? Comment tu le vis exactement ça? Alors, grosse question. Je vais te raconter une petite histoire. Oui. C'est l'histoire de Botiolé qui jouait à League of Legends, qui était classé Silver 1, on va dire en France, après une saison et demie, qui est rentré au Bercail, qui a passé 4 à 5 mois sans jouer parce que bon, quand tu rentres au pays, tu as envie de tout faire sauf jouer. Effectivement, tu as envie de tout découvrir, tout voir. Ok, et tout. Effectivement. Du coup, quand je me suis remis à jouer, j'avais une connexion de 10 mégas chez moi. Comme il y avait beaucoup de monde sur cette connexion, dès que les gens se mettaient à regarder des vidéos YouTube ou quelque chose de, ce sort, de cette sorte, effectivement. Tout de suite, hein, tu avais le ping qui montait à 200, 300 et 300 ms sur League of Legends, c'est très compliqué. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà, du coup, j'ai détesté le jeu à cette période-là. Je faisais que regarder la compétition. Voilà. Ok. Et de temps à autre, je faisais des customs avec les gens de la communauté, même si après, ils m'insultaient parce que soit je me déconnectais, soit j'étais en train de lag tout le temps. Ah oui, j'imagine. Voilà, puis bon, on va dire il y a un an de cela, la fibre est arrivée, à peu près, qui a amélioré le quotidien des gens. Effectivement. Sauf qu'avec l'arrivée de la fibre, ça coïncide avec la période où j'ai le moins de temps possible pour jouer. Ah, c'est dommage. Et on va dire que bon, j'aurais aimé profiter du jeu au moment où j'avais plus de temps, mais j'ai pas pu. Mais en termes général, les conditions ici, avec l'arrivée de la fibre, ça va mieux. On arrive à avoir 100 millisecondes de ping. Chez moi actuellement, quand tout le monde est connecté, j'ai 110. Quand il n'y a personne, je suis à 90. Pour la dernière partie, nous allons faire un petit peu de quiz. S'il perd beaucoup dans cette partie de quiz, il va jouer League of Legends sur Mac. Mais c'est la punition. Oui, c'est la punition. Mais s'il gagne, là, il ne jouera pas sur Mac. Donc, on va voir s'il est fort. N'est-ce pas? C'est parti. Quel champion est surnommé le Virtuose? Le Virtuose, Yasuo. Quand la phase bêta de League of Legends, Clash of Fate a-t-elle été lancée? 2009. Bravo. Quel champion est inspiré du Assassin's Creed? Zed. Masari. C'est Talon. Ah, ils se ressemblent un peu. Hein. De quelle région vient Olaf? Ouais. Quelle équipe est sortie championne du monde de LoL en 2011?
Fnatic. Super. Lequel de ces champions peuvent acheter une hydre et un ouragan de Ronan? Jace, Kled, Thresh ou Elise? Jace. Ok. Deuxième réponse? Thresh. Non, c'est Jace et Elise. Elise? Yeah. Qui a libéré Renekton et Seraph? Nasus. Sivir, Nasus, Azir, Cassiopeia? Nasus. Cassiopeia. Sérieux? Tes questions, elles sont. Hein? Quels champions sont sortis durant la saison 5? Ilaway, Kindred, Tahel, Ken, je ne sais pas trop parler les noms. Ilaway, Kindred ou Rek'Sai? Bon, lui, je ne sais pas comment on l'appelle, Tahim, je ne sais pas, Tarkins, je ne sais pas, Tarkins, Ken, Bart, Echo, Jim, Aurélien, Sol, Talia, Garen, Darius, Poppy. Tarkins, j'ai un doute. Kindred, c'est bon. Rek'Sai, c'est bon, de toute façon. Ok. Ilaoi, c'est bon. Ok. Tam Kench, c'est délicat. Je suis pas sûr, mais Tam Kench, c'est délicat. Lequel de ces champions n'est pas dans le teaser A New Dawn, une nouvelle eau de LoL? Nautilus, Rengar, Garen, Darius. Nautilus. Nautilus? Malheureusement, il est dedans. C'est sérieux? Je suis pas sûr qu'il y aurait des gens de la communauté qui pourraient faire un sans faute à toi. Ouais, ça c'est quels assassins ne fait pas partie du rework des assassins de la pré-saison 7? Talon, Fizz, Harry ou Shaco? Oula, réflexion. Harry. Pas mal ça. Bravo. Je suis un joueur de Harry. Ah ouais. Quel joueur de LoL est connu pour ses flashs dans le mur au mouvement qu'il porte maintenant son nom? Insec, Madleaf, Domingo, Faker. On dit toujours il a fait un Domingo. C'est Domingo. Et on fait un big up à tous les gars, les joueurs de League of Legends. Oh là là, Mr. Spock. Ah, bravo. Bah, tu peux dire déjà aux téléspectateurs ce que tu leur conseilles sur League of Legends du tout pour la communauté. Ouais, Aiden, merci de m'avoir reçu ici. Pour son émission qui, je pense, aura un franc succès, surtout quand la communauté League of Legends pourra se moquer de moi sur cette vidéo. Je pense que ça va t'apporter énormément de viewers. Déjà qu'il y avait pas mal de gens de la communauté qui suivaient cette émission-là, qui m'en ont parlé. Maintenant, par rapport à League of Legends, c'est un jeu vraiment, League of Legends, c'est vraiment riche, c'est extrêmement riche. Ça attire de plus en plus de personnes au Sénégal, parce que de plus en plus de personnes ont accès à des ordinateurs portables. C'est ça le drame de League, c'est qu'il faut avoir un ordinateur portable pour jouer. On peut supporter le jeu, mais le jeu n'est pas très gourmand. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment très attractif, comme tous les MOBA, hein. S'il y a de la stratégie, pour ceux qui adorent la stratégie. J'en appelle à Aziz, par exemple, qui est un gros joueur de jeu stratégique, qui franchement serait un énorme joueur de League of Legends, surtout vu ses mécaniques sur Dark Souls. Maintenant, il y a beaucoup d'autres joueurs que j'aimerais bien attirer dans ce jeu, parce que bon, c'est le jeu qui a fait exploser l'e-sport internationalement, et c'est dommage de passer à côté de quelque chose comme ça. Okay. En tout cas, merci de m'avoir reçu, et puis bon, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la saison 4 du SNFCS, sachez que ça sera bientôt sur les plateformes. Super top. Merci pour l'information, Mr. Moms. Merci à toi. Allez, ciao. Tech.